Le premier défi va vous demander d'empêcher le docteur Fatalis d'obtenir les 6 reliques arcaniques. Donc en fait, pour réaliser ce défi, vous devrez obligatoirement être en tant que héros. Donc si vous êtes en tant que Fatalis, vous ne pourrez pas réaliser ce défi. Et ensuite, quand vous êtes en tant que héros, vous allez voir qu'il y aura des reliques qui vont tomber sur la map. Et ces reliques-là, en fait, il va falloir les protéger pour empêcher que le docteur Fatalis ou l'équipe du docteur Fatalis ne les récupère avant vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller directement et d'essayer de le récupérer avant tout le monde. Là vous voyez, il y a un mec qui l'a récupéré. Donc là, ça va pas. Il va falloir que je le tue pour pouvoir le récupérer. Et encore, je suis même pas sûr. Ok, regardez, je l'ai tué et je peux même pas récupérer la relique. Donc il va falloir obligatoirement protéger la relique le plus possible pour éviter que d'autres joueurs ne la récupèrent directement. Alors il faut savoir qu'il y a 6 reliques au total. Donc si vous arrivez à empêcher l'équipe adverse de récupérer les 6 reliques, bah là vous aurez terminé le défi. Alors je vais pas vous mentir que c'est assez compliqué parce que bah voilà, les adversaires ont des armes super cheatées et vous bah, parfois vous avez des bonnes armes, parfois c'est un peu la galère. Là j'ai un bon équipement donc ça va. Et pour réussir à terminer le défi, vous allez devoir protéger les 6 cristaux, enfin les 6 reliques, jusqu'à réussir à tuer les 100 joueurs adverses. Donc vous allez devoir tuer 100 fois les joueurs adverses pour terminer le défi et réussir à protéger les 6 reliques avant la fin de la partie. Donc franchement, c'est assez complexe. Donc si vous avez des astuces ou quoi, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, si vous arrivez à tuer les 100 joueurs avant qu'ils récupèrent les 6 reliques, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM.